Salut à tous, c'est Friano. Donc, vous venez de voir les résultats de la New Zealand Series Classic. La première étape, Massey Gnonaï vers City, ITT, donc de 5,5 km, que j'ai fait moi-même, ce qui est très très rare, je vous dis. Contrairement, je suis une vraie tatata. Mais je suis content puisque j'ai réussi à placer Wormod premier. Il faut dire qu'il n'y avait pas un gros plateau non plus de contre-la-montre. Il est fini avec 3 secondes d'avance sur Cardozo, 6 sur Hazel, 7 sur Brand, oui, 7 sur Brand, Khrushchev est 5e, 6 et Clancy, 7 Henri Rears, 8 Francesca Robbins. Et puis il y avait les autres de mon équipe sont un peu plus loin. Alors au classement général, vous voyez ici, c'est très très serré, bah, juste les désespérés à 9 secondes, où ça va être un peu plus dur au sprint, je pense. Parce que tout le reste, c'est au sprint que ça va se jouer. Peut-être regarder notre équipe. Mario Albastino finit 127e à 26 secondes, tandis que Francis, lui, a fini 122e à 26 secondes aussi. Laurent Beuret est 38e à 17 secondes, qui réalise une bonne performance. Faut dire que Francis et Mario ne sont pas très contrairement comparés à Robin, Henri, Reyers, Brand, Hazel et Vermotte. Alors, je vais jumeler cette première étape avec la deuxième qui va suivre directement. Donc on se rejoint tout de suite pour la deuxième étape. À tout de suite. Nous revoici donc sur la deuxième étape, qui est très très mauvaise. Il pleut entre plutôt Palmerston North à Piti, Palmerston North. Ok, je conviens. Donc, je vais mettre pause. L'étape était un peu vallonnée, on va dire. On doit monter quelques vallons, mais ça terminera au sprint. Alors, pour le moment, devant, il y a Buchaskit, Derling, et derrière, tiens, ah non, échappé, tout devant est Fedi et Sancho, derrière ça roule, donc l'échappé ici, et Henri Rears, et roule tranquillement, pour essayer de les récupérer. Donc voilà. Les leaders de cette épreuve, c'est Mario Albastino et Julien Vermode. Alors, pourquoi ils ont des notes supérieures à le screen ou la vidéo que vous avez pu voir juste avant? Eh bien, je vais vous répondre. Ça s'appelle le stage. J'ai fait un stage d'entraînement à Sydney, voilà, avec toute mon équipe et ça a bien fonctionné, notamment pour Mario Albastino qui s'est passé de 74 à 73, à 77, donc 3 en plus. Son coriace. Donc ce sera Fedi le meilleur grimpeur aujourd'hui. Si on ne fait rien, ça sera aussi autre chose que mes grimpeurs. Ça, j'espère que non, mais on va voir. Moins de 20 km, un peu plus d'une minute d'avance, l'échappée va devoir batailler pour. Donc, Rabonne devant. Une 26, c'est faisable. Rien, c'est Queen. Il reste maintenant 15 km de course. Alors, on va mettre, Vermode derrière Albastino. Albastino, Hazel. Ah, chut. Je suis encore habitué à mon ancien récit où Hazel était meilleur que Beret.
Reigns. Hers. Fin de l'échappée. Le groupe vient d'être repris. Ah, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Oh, il y a 99 lâchés déjà. 100. Les coureurs arrivent dans les 8 derniers kilomètres de l'étape qui va sans doute se terminer par un sprint massif. Ouh, le trou qu'on avait fait. Allez, c'est parti, on met la machine en route. Non, non, pas user n'importe où. Ah d'accord, Brent, carrément lâché. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Encore 7 lâchés. Rias qui joue à chasse patate. On voit déjà la flamme jaune ici. Ah, flamme rouge, pardon. Jaune, c'est autre chose. C'est parti pour l'emballage final. Le récuit. Et c'est Vermont qui va sûrement conclure. En 2 jours et premier déplacement à l'extérieur, Julien Vermot s'affirme comme co-leader, on va dire, parce que c'est pas un leader absolu dans ma team, en s'imposant ici, même en Australie, pour la deuxième fois consécutive, et au sprint, s'il vous plaît. Mario Albastino, le grand favori, va finir troisième. Il était venu là pour gagner, il n'a pas déçu ses coéquipiers. Vraiment du bon boulot. Julien Vermot premier, ok, ça s'est même divisé. Patterson 2, 3 Albasino, Roming Winter 4, 5 Ray, Hazel 6, Robin 8, grâce à lui qu'on gagne, Beret va finir 11e, ouais, puis de Ray, Steinens. Eh bien, je pense que le classement général va dès à présent déjà bien changer. Ah, le gros peloton. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de cette course. Ah oui, donc le sprint. Pardon. C'est dommage qu'on voit pas mieux. Il est où Albasino? Ah, il est là. Donc vous voyez, jusque là, Albasino était devant, et hop, Vermot le dépasse. Et pas de chance, pour Albasino, celui qui était dans sa roue a su résister, donc voilà. Entre guillemets, il y avait deux trains. Un derrière Albasino, et l'autre derrière Vermot. Victoire de Vermot devant Perdesson. Oh, c'est tout zéro, c'est nul. Bon, Perdesson et Mario. Vermot, Perdesson, Albasino, voilà, arriverait. Bah, y aller. Julien Vermot, ah mince, j'ai coupé le général.
Julien Vermouth a 50 points devant les autres, il y en a 26. Et l'arbre au plein milieu, c'est joli. Les 10 meilleurs grimpeurs, si on savait. Ouais, je cliquais sur suivant, c'était logiquement pour passer. Vermouth est le meilleur jeune devant Brent et Hazel. What? 23 secondes devant Brent et Hazel. 26. Ouais, le Bassino 38. Ouh. Cause d'écart, hein. Général équipe, c'est Bergkamp Racing Club qui est premier avec 24 secondes d'avance, avec 24 secondes d'avance sur Derek Sainz. C'est une équipe que j'aime bien. Format de vainqueur du jour. Donc, au général, on va regarder ça, hein. Plus important. On a Vermouth premier, 2 Brent. Carluzzo qui finit 44e a cédé sa deuxième place à Brent. Hazel finit 6e et prend la 4e place. Raben finit 8e, prend la 7e place. Dans notre équipe, et à la contre-performance de Henri Rias qui finit à 6 minutes. 5 minutes 33 à 6 minutes 2 du vainqueur de Vermouth au général. Excusez-moi. Francis Reyer, c'est 19, finit 19e et 48e au général. Mario Albastino est 28e au général. Beret, 23e. Ok, bonne performance de notre part. Pourtant, parce que c'est notre premier déplacement et on est déjà affirmé. Alors, je peux vous dire que quand j'ai pris dans la carrière, il faut choisir une équipe, etc. On était la deuxième équipe à avoir le plus d'étoiles. Après, il y avait, devant nous, il y avait Efapel. Donc, c'est logique, entre guillemets, qu'on gagne. Même si j'espérais avoir un peu plus de concurrence. Notamment de Tomel et Fork. Pour, Tomel, parce que Fork, je pense pas qu'il est là. Ouais, de Tomel. Parce que Fork n'est pas là. Donc voilà, j'espère avoir un peu plus de concurrence, mais encore d'autres étapes, hein. Rassurez-vous et je me rassure aussi. Donc on va se rejoindre, ben, on va d'abord se dire au revoir et puis j'espère que vous regarderez le prochain épisode de Bercora Racing Club en Nouvelle-Zélande sur la New Zealand Side Classic avec la troisième étape en prime. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode de Pro Cycling Manager avec Vercors Racing Club avec Friano. Merci à tous et à bientôt.